Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formule de Passé Présent, l'émission historique de TV Liberté. Émission que j'aurai le plaisir et l'honneur de vous présenter avec toujours la collaboration amicale de Philippe Conrad, bien sûr. Passé Présent s'articulera dorénavant en quatre parties. Une première dans laquelle nous vous présenterons les actualités, que ce soit de nouvelles découvertes, de nouvelles polémiques, la recherche historique n'en manque pas, mais également un volet culturel avec éventuellement des films ou des séries en fonction des sorties ou bien les expositions à découvrir. Puis nous recevrons un invité, séquence que vous connaissez, sur les sujets et les époques les plus divers, et enfin des conseils de lecture suivant l'actualité éditoriale, avant de céder la conclusion de l'émission à la petite histoire de Christopher Lann. Passons donc à la première partie, les actualités. Le visage de Ramsès II a été reconstitué. Près de 3300 ans après la mort de Ramsès II, le visage de l'un des plus célèbres pharaons d'Égypte a été reconstitué début septembre grâce à une équipe scientifique dirigée par une anthropologue judiciaire britannique, Caroline Wilkinson, de l'université John Moore de Liverpool, et une égyptienne, Sahar Salem, qui est paléoradiologue à l'université du Caire. Le visage du roi a été reconstitué à l'âge de 45 ans et à la fin de sa longue vie à 91 ans. Tout commence par un scanner du crâne de la momie. Et comme le confie Caroline Wilkinson, quand on regarde un crâne pour la première fois, on recherche au départ les détails caractéristiques les plus visibles. Par exemple, sur Ramsès II, il y a un os nasal très large. Il est entre les yeux très haut et très prononcé. En étudiant chaque petit détail du crâne, l'anthropologue va réussir à repositionner les muscles du visage du pharaon. Et plus un muscle est fort, plus ses attaches vont laisser des marques visibles à la surface du crâne, là où il est ancré. Après cette première étape, un travail en 3D est nécessaire afin de donner de la texture, comme les rides, les pores et les imperfections de la peau. Ce ne sont pas des informations que nous obtenons à partir du crâne, précise l'anthropologue, donc nous sommes dans l'interprétation, mais c'est fondé sur les modèles de représentation à cet âge. Enfin, grâce aux indications livrées par la radiologiste Sahar Salim, l'étape finale peut avoir lieu, à savoir le choix de la couleur de la peau du pharaon, et c'est à l'aide d'un logiciel utilisé dans les enquêtes criminelles que l'équipe scientifique a réussi l'exploit de rendre réel le visage de Ramsès II. Remontons encore le temps avec les preuves d'une amputation réussie il y a 31 000 ans. Car si on ne sait pas exactement quand la médecine est apparue, les chercheurs pensaient que de nombreuses techniques dataient du début de la sédentarité, soit à peu près il y a moins de 10 000 ans. En 2010, par exemple, un squelette vieux de presque 7 000 ans a été retrouvé en France. Il lui manquait l'un de ses avant-bras et des chercheurs avaient conclu qu'il constituait la toute première preuve d'une amputation réussie. Une hypothèse étayée par l'histoire de cette période qui correspond au début des sociétés agricoles sédentaires, période à laquelle de nombreux problèmes de santé seraient apparus, marquant une évolution de la médecine. Mais la découverte d'un squelette portant les marques d'une amputation au niveau de la cheville gauche sur l'île de Bornéo en Indonésie fait remonter certaines pratiques médicales beaucoup plus loin dans le passé, il y a presque 31 000 ans. Selon l'étude menée par des scientifiques de l'université Griffith d'Australie, l'humain décédé vers l'âge de 20 ans aurait été amputé plus de 6 ans avant sa mort, ce qui implique que sa blessure a été traitée avec suffisamment de soins après l'amputation pour qu'elle cicatrise correctement. C'est très net et oblique. Vous pouvez réellement voir la surface et la forme de l'incision à travers l'os, a indiqué l'un des chercheurs. Cette nouvelle découverte suggère qu'au moins certains groupes humains modernes de chasseurs-cueilleurs en Asie tropicale avaient développé des connaissances et des compétences médicales sophistiquées bien avant la transition agricole néolithique, explique l'étude. Ces avancées précoces en médecine en Asie du Sud-Est pourraient être la particularité due à l'île de Bornéo. En effet, le climat tropical qui y règne, favorisant l'infection rapide des plaies, a poussé les peuples locaux à développer rapidement divers remèdes en exploitant les propriétés médicinales de la riche biodiversité végétale et de la flore endémique de Bornéo, conclut cette étude. Restons dans les squelettes. Je ne sais pas si vous croyez aux vampires, moi non, mais des archéologues viennent de faire une étrange découverte en Pologne dans un cimetière du XVIIe siècle. Les restes d'une femme enterrée avec une faucille au-dessus de son cou afin de l'empêcher de se relever d'entre les morts.
La faucille n'était pas posée à plat, mais placée sur le cou, de telle manière que si le défunt avait essayé de se lever, la tête aurait été coupée ou blessée, a déclaré Darius Polinski, l'archéologue qui a dirigé les fouilles. Enfin, un cadenas enroulé autour de son gros orteil gauche symbolise, lui aussi, un rite funéraire particulier pour empêcher la défunte de revenir d'entre les morts. Selon les chercheurs, ce type de sépulture de vampires était monnaie courante en Europe de l'Est durant le Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle. Afin d'empêcher les morts de revenir sous forme de vampires, les inhumations allaient de la simple décapitation à toutes sortes de pratiques comme placer le défunt face contre terre pour qu'il puisse mordre dans le sol ou bien encore le transpercer d'une tige en métal afin de le clouer. D'autres tombes de supposés vampires ont d'ailleurs été exhumées en Pologne il y a quelques années. Cette chasse aux vampires pourrait trouver son explication dans les épidémies de choléra. Les symptômes auraient été interprétés comme surnaturels et les malades comme des créatures maléfiques. Passons maintenant aux expositions. Vous pouvez noter sur votre agenda quelques rendez-vous dignes d'intérêt. Tout d'abord au château de Versailles avec une grande exposition consacrée à Louis XV à l'occasion du tricentenaire de son sacre. Près de 400 œuvres, parmi lesquelles de nombreux chefs-d'œuvre, dont certains sont présentés pour la première fois en France, sont exposés pour permettre au public de saisir la personnalité de l'homme derrière le monarque. L'exposition est divisée en trois parties. La première, intitulée « L'homme privé », revient sur l'enfance du roi, son éducation, son entourage, sa famille. Elle permettra de mieux comprendre la personnalité de ce monarque qui fut surnommé « le bien-aimé ». La deuxième partie est dédiée aux passions du roi et permet d'évoquer les sciences, la botanique, la chasse, l'architecture et leur influence dans la politique du royaume. En effet, Louis XV a développé sa curiosité tout autant que la recherche. Il a financé de grandes expéditions maritimes, fait de Trianon un jardin d'expérimentation botanique, commandé des objets scientifiques à la pointe de la technologie et a ordonné aux géographes et aux astronomes de cartographier le pays. Enfin, la dernière section, intitulée « Louis XV et les arts », présentera des chefs-d'œuvre de la rocaille, ce style qui, libéré de toute symétrie et règles formelles, a bouleversé la création artistique du XVIIIe siècle. L'exposition dévoilera également des œuvres qui entouraient le roi dans sa vie quotidienne. À noter qu'à l'occasion, l'appartement de Madame du Barry, qui est un témoignage précieux du Versailles intime de Louis XV, sera rouvert au public, et ceci après une restauration de 18 mois. Donc, c'est au château de Versailles, et ceci jusqu'au 19 février de l'année prochaine. Restons au XVIIIe siècle, mais partons beaucoup plus loin, dans le sud de l'océan Indien, au Crozet et au Kerguelen, avec une exposition du musée de la marine qui se tient à Brest. Cette exposition, intitulée « Voyage en terres australes », marque le 250e anniversaire de la découverte de ces archipels. La première partie de l'exposition est consacrée d'une manière générale aux voyages d'exploration de la fin du XVIIIe siècle, qui sont évoqués par la reconstitution d'une cabine de navire illustrée de cartes et fournie en instruments de navigation. Les visiteurs embarquent ensuite dans les expéditions menées par Marc-Joseph Marion Dufresne et Yves-Joseph de Kerguelen de Trémarec vers ces deux archipels, découverts à seulement quelques jours d'intervalle. L'expédition menée par Marion Dufresne découvre Crozet le 22 janvier 1772, celle menée par Kerguelen, qui donnera son nom à l'archipel, le 12 février 1772. La troisième partie de l'exposition présente ces territoires, d'abord par l'évocation du mode de vie des baleiniers et des phoquiers du XIXe siècle. Divers objets de la vie à bord en témoignent. Le visiteur poursuit ensuite son voyage avec la présentation des premières expéditions scientifiques assez variées, que ce soit de la biologie, de la géologie ou encore l'étude du magnétisme terrestre. Une quatrième salle, enfin, illustre la réaffirmation de la souveraineté française sur ces territoires au début du XXe siècle, jusqu'à l'implantation de bases permanentes. Ces territoires sont d'ailleurs toujours un haut lieu de recherche scientifique. Parmi les objets exposés, le visiteur découvre notamment des herbiers réalisés lors des expositions, des instruments de météorologie ou encore des équipements de terrain. Une très belle exposition qui se tient donc au château de Brest jusqu'au 5 mars 2023.
Et enfin, jusqu'au 6 novembre, il vous reste un peu de temps, si vos pas vous mènent à la forteresse de Chinon, une exposition qui fait dialoguer, le terme est à la mode, les armes, les armures, les tenues de combat de films ou de séries cultes comme Excalibur, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Outlander, bref, ce Moyen-Âge fantasmé qui dialogue avec les tenues et les armes réellement employées à l'époque. On n'y apprend pas grand-chose, mais c'est plaisant à voir et c'est également l'occasion de visiter la forteresse royale de Chinon, haut lieu de l'histoire européenne occupée depuis 3000 ans et l'un des rares châteaux forts du Moyen-Âge dans la vallée de la Loire. Nous retrouvons maintenant notre invité, Pierre-Denis Boudriot. Pierre-Denis Boudriot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur TV Liberté, l'émission Passé-Présent. Vous êtes docteur en histoire moderne et contemporaine, auteur de plusieurs articles, parus notamment dans les revues, la Revue d'Histoire Européenne, la Gazette des Armes, l'Histoire, ou encore Histoire, Économie et Société. Vous avez également rédigé un essai sur l'épuration, paru en 2011 chez Grancher, et c'est complété par un ouvrage intitulé « Bagne et camp de l'épuration française » aux éditions Oda Isarn, paru en 2021. Et sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez retracé l'histoire de l'ennemi intérieur de la Troisième République dans la période 1938-1940, dans un ouvrage édité chez Chiré en 2014. Sujet qui fait l'objet d'un article paru dans le numéro 12 de la Revue d'Histoire Européenne, numéro courant qui est toujours en kiosque. Et votre article est intitulé « La Troisième République face à la subversion intérieure ». Alors, subversion intérieure, l'expression est forte. Correspond-elle à une réalité? Et tout d'abord, pourriez-vous nous dresser le décor de la situation politique en France en 1938? Qui est au pouvoir et pourquoi cette classe politique se sent menacée? Eh bien, en 1938, plus exactement en avril 1938, lorsqu'Édouard Daladier constitue son gouvernement, la France est encore, subit encore les effets de la dépression, du marasme économique ambiant et du chômage. Et le gouvernement, à commencer par Édouard Daladier, souhaite remettre, comme il disait, la France au travail et réarmer la nation. Donc, on assiste à une sensibilité, enfin à une exacerbation de la sensibilité de l'exécutif qui s'exprime de façon relativement nouvelle sur le danger de l'ennemi intérieur, à savoir la présence de 3,5 millions d'étrangers, d'immigrés, qu'il s'agisse des Espagnols, du demi-million d'Espagnols, des immigrés d'Europe de l'Est. Donc, pour l'exécutif de l'époque, c'est un danger permanent. Pouvez-nous rappeler la couleur politique de l'exécutif de l'époque? Alors, il est majoritairement radical socialiste, mais vous avez des gens comme Paul Reynaud au ministère des Finances, qui n'est pas du tout radical socialiste. Il sera d'ailleurs considéré tout au long de sa carrière, jusqu'à la guerre, comme un homme de droite. Mais il faut quand même relativiser effectivement les choses. Voilà. Et c'est donc en partant de ce constat que le gouvernement va réagir. Il y a aussi un fait majeur qui va pousser à la radicalisation de l'exécutif, c'est que lorsque Paul Reynaud veut porter la durée hebdomadaire de travail à 48 heures dans les usines d'armement, pour commencer, oui, il porte atteinte au fameux dogme des 40 heures, ce qui provoque, fin novembre 1938, une grève générale massive lancée par la CGT. Or, cette grève va être très, très durement réprimée. Je citerai rapidement qu'il y a eu, à ce moment-là, 800 000 licenciements dans les industries, dans les entreprises privées. Mmh. Il y a eu de nombreux emprisonnements. Et de ce fait, la situation s'est véritablement tendue. Voilà. Mmh.
Ces menaces, elles viennent pour l'instant du côté plutôt de la gauche. Elles viennent de quel côté? Alors, des ligues de la droite nationale, d'Action française, du Parti communiste? Alors, l'Action française n'est pas tant concernée que cela, même si, il faut le rappeler, Charles Maurras a été emprisonné, je crois me souvenir, pour un appel au meurtre de Léon Blum. Il a été emprisonné quelques mois entre 36 et 37. Mmh. Non, il s'agit plutôt de composantes de l'extrême droite. Qu'il s'agisse du Front franc de Jean Boissel, du francisme de Marcel Bucard, et également d'éléments de l'extrême gauche. Je pense à des socialistes révolutionnaires, dont le représentant le plus éminent est Maurice Jacquier, et qui a écrit un livre remarquable intitulé « Simple militant ». Et puis évidemment, les communistes. Mais les communistes ne sont pas encore à ce point la cible du gouvernement. Ils le seront à partir du pacte. Voilà. Et donc, quel arsenal juridique va être mis en place par les gouvernements jusqu'à la déclaration de guerre? Vous évoquez une œuvre de salut public, voire une loi des suspects, autant de termes qui nous renvoient finalement directement à la période révolutionnaire. Absolument, absolument. L'œuvre dite de salut public, c'est ce qu'invoque le gouvernement. En considérant d'ailleurs qu'il y a un impératif majeur, c'est justement de traquer l'ennemi intérieur. Donc le terme ennemi intérieur est bien employé. Il est absolument, on parle même de péril intérieur. Ce qui conduit à un décret-loi qui est promulgué le fin novembre 1938, donc vous voyez, peu de temps après d'ailleurs la grande grève nationale, qui a été un échec relatif, ça conduit à la promulgation d'un décret-loi qui va renforcer en quelque sorte le pouvoir, l'administratif, par rapport au judiciaire. Les préfets vont être très vite investis d'un pouvoir qui leur laisse la possibilité de procéder à des internements administratifs, comme bon leur semble, dans des lieux désignés pour cela. Donc le pouvoir préfectoral devient prépondérant. Mais est-ce que la population est... Parce que finalement, on a l'impression que de nommer un ennemi intérieur, c'est pour faire peur. Est-ce que la population, elle, est sensible à ce genre d'argument ou ça lui passe un peu au-dessus de la tête? Il y a un bon baromètre pour cela, même s'il n'est pas suffisant, c'est la presse de l'époque. Or, on constate que, malgré tout, même si, par exemple, s'agissant de la fameuse grève de 38, la population ne réagit pas comme elle va réagir quelques mois plus tard, à partir de 1939, où là, vraiment, la presse entre en résonance avec une phobie collective qui sera celle du... On a l'impression que le gouvernement entraîne une forme, cultive une certaine forme de paranoïa. Tout à fait, tout à fait. Et pour vous, il y a un tournant lorsque le régime politique de détention est aboli et que les opposants sont traités comme des délinquants de droit commun. Oui. Donc je voudrais tout d'abord que vous nous expliquiez en quoi consistait ce régime politique de détention. Vous parlez de tradition séculaire. Oui, alors en effet, c'est une tradition au moins séculaire. Sous l'Ancien Régime, on sait que certains prisonniers de marque avaient des facilités, on aménageait leur détention de façon évidente, ne serait-ce que la libre circulation dans la prison, le fait de rendre visite aux voisins, de recevoir la famille. On se rappelle la détention du marquis de Sade, par exemple. Et là, juillet 39, la suspension, plutôt que l'abolition, la suspension du régime politique de détention est un événement majeur, car on confond les politiques avec les droits communs. Ce qui fait que les politiques, à leur grande indignation d'ailleurs, à commencer par les communistes, n'ont plus la possibilité donc de se déplacer, de circuler, de se rendre visite entre eux. Ils n'ont plus la possibilité de se voir aménager, désigner des cellules individuelles avec des aménagements sur mesure, des facilités relatives à la presse qu'ils peuvent consulter, et un certain nombre de choses, la correspondance qui est en fait autorisée de façon beaucoup plus restrictive. Donc tous ces aménagements, la tonte aussi, la tonte leur sera imposée. Donc tous ces aménagements, enfin toutes ces privations, véritablement, les assimilent au droit commun. – Donc ça veut dire qu'avant, il y avait des délits politiques qui étaient reconnus. – jusqu'en… – Qui étaient je pense surtout à la cagoule, qui dès 38
Voit certains de ses hommes emprisonnés, même si le grand procès aura lieu après-guerre, et eux aussi, ainsi que d'autres, pouvaient bénéficier de certains aménagements. Et donc, dans le code pénal ou procédure pénale, je ne sais pas comment on appelle ça, il y avait donc des délits dits politiques. Dits politiques, oui. Ou qui étaient assimilés. Qui pouvaient aller de la diffamation, j'imagine, jusqu'à l'appel à la sédition. Absolument. Donc, tout s'accélère une fois le pacte germano-soviétique signé le 23 août 1939, la guerre est déclarée à Allemagne le 3 septembre, et le Parti communiste est dissous le 26. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se change à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une véritable chasse à l'homme, des arrestations? Et qui en est principalement la cible? Les communistes? En effet, les communistes. Alors, ces trois événements que vous venez de citer, là encore, c'est une rupture fondamentale dans l'ordre des choses. Et le gouvernement donc se met à traquer les communistes, surtout après l'interdiction du parti, le 26 septembre 1939. Et il traque notamment les diffuseurs de tracts politiques qui sont souvent abandonnés sur les banquettes du métro, les apartés que certains agents communistes entretiennent dans les cafés, etc., etc. Donc, ces gens-là sont traqués, emprisonnés, et dans des conditions, effectivement extrêmement dures, et les députés eux-mêmes n'y échappent pas, et ils se voient donc condamnés, pour la plupart, à 5 ans d'emprisonnement, avec des amendes, et là, ils vont connaître une errance, un nomadisme, si j'ose dire, carcéral, dans des conditions qui vont les scandaliser. Et ils vont se prévaloir de leur état de député, même déchu, mais rien n'y fait. Et il y a un certain nombre de récits de figures du PCF qui sont tout à fait éclairants sur la façon dont ils ont vécu ces années, cette traque. Durant cette période, ça se passe pendant la drôle de guerre, finalement, tout cela. Ouais. Est-ce que c'est justifié, finalement? Parce que, est-ce qu'on parle de. Il y a eu des sabotages dans les usines d'armement. Donc, est-ce que c'était justifié, cette traque aux communistes, dire le gouvernement, y compris celui de Paul Reynaud en mars 40, qui est constitué donc après Édouard Daladier, les gouvernements successifs savaient très bien quel était le potentiel du PCF, même interdit, car il pouvait se prévaloir la veille de 300 000 militants extrêmement actifs, de journaux, je crois de mémoire qu'il y avait 266 journaux d'obédience communiste, des syndicats, et de ces fameux 77 députés. Donc là, il y a vraiment un danger intérieur En période de guerre. Et ces gens-là restent actifs dans la mesure du possible, même si, effectivement, ils prétendent rester quand même relativement, attentifs au fait qu'ils n'existent plus, même s'ils cherchent évidemment à se reconstituer. Mais il y a quand même en permanence une action souterraine, menée par le simple militant, les députés. Et donc une action de déstabilisation de la République, du pays en temps de guerre. Du gouvernement. Et est-ce qu'il y a des sabotages vraiment dans les usines d'armement? Alors les sabotages sont avérés. Ils commencent à partir du moment où la Finlande ou la France annonce qu'elle va soutenir, sur le plan matériel, les Finlandais à partir de décembre 1938. Et là, on a de multiples preuves, y compris écrites sous forme de lettres, de tracts, qui exhortent les ouvriers travaillant dans les usines d'armement, notamment les chars, les avions, les usines Farman. Ce sont des directives qui sont données à ces ouvriers pour qu'ils sabotent ce matériel. Il y a donc eu des actions de sabotage. On ne peut pas en évaluer le nombre, ni la portée. Mais quand même, il semblerait que ce n'ait pas été négligeable. C'est le même qu'on retrouvera d'ailleurs pendant les guerres d'Indochine. Absolument. Et est-ce qu'il y a eu des exécutions? Est-ce qu'on sait le... Alors, le nombre d'exécutions est très difficile. D'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas l'établir avec certitude. Mais il a quand même... on se rend compte qu'il y a eu... Alors, surtout au moment de l'Exode, il y a eu des exécutions qui ont et donc des condamnations à mort qui concernaient des ouvriers
en l'occurrence quatre, qui sont les quatre vraiment qui sont avérés. Hein. Quatre ouvriers et un sténographe au Sénat qui était convaincu d'espionnage. D'accord. Et donc, sur les quatre, il y a eu une commutation de peine, parce qu'il était trop jeune, il avait 17 ans. Et donc, au total, ces quatre restants ont été exécutés à Bordeaux, qui n'était qu'une étape sur le parcours donc, de cet exode. On va en reparler. Donc, autre cible, la droite nationale et patriotique, qui fait également l'objet d'une véritable persécution. Oui. Un peu plus tard, au moment après juin. Soudaine. D'accord. Avant la capitulation. Oui, tout avant. Avant l'armistice. D'accord. Et pourtant, là, on n'est pas encore dans une politique dite de collaboration. Non, du tout. Mais alors, il y a quand même, il faut quand même noter que cette répression s'est abattue très soudainement, donc début juin, sur le principal organe de presse qui était Je suis partout, oui. Et donc contre quelques journalistes de ce journal, parce que ils étaient depuis longtemps soupçonnés d'être des prosélytes du national-socialisme. Et aussi, ils avaient commis quand même, en 38, mm-hmm. une biographie de Georges Mandel, le ministre de l'Intérieur, donc de l'époque qui nous intéresse, et lequel Georges Mandel n'avait pas du tout apprécié cette biographie. D'accord, donc et petite vengeance. Oui, c'est intervenu. Voilà, et ce ministre a poursuivi de sa vindicte. Très très loin, ces hommes dits donc de la droite nationale, et patriotique. Ok. Et donc nous arrivons maintenant en juin 40, l'effondrement du pays. À ce moment-là, dans la confusion de l'exode, les autorités décident d'évacuer les prisons. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est de la prison militaire du Cherche-Midi, située en plein cœur de Paris. Nous ne sommes plus habitués à ça. Cherche-Midi, 1850 prisonniers et une évacuation qui va vite tourner au cauchemar. Ah oui. Tout à fait. Elle se déroule, donc quelles conditions, à quel moment? Si je puis me permettre, l'évacuation a été ordonnée par Georges Mandel, ministre de l'Intérieur, et elle a commencé le 10 juin dans le sillage du gouvernement, qui quitte Paris également le 10 juin 1940. Et la prison de Cherche-Midi et la prison de la Santé, donc, sont évacuées, forment un convoi de 1850-55 prisonniers, oui. Qui sont engagés donc sur les routes de l'exode, mais parfois, même assez souvent, ils se confondent, enfin, ils doublent les oui. l'exode. Et ils sont encadrés par qui? Par des gens de la pénitentiaire? Des gardes mobiles. Beaucoup de gardes mobiles. Des tirailleurs, dont on ne sait pas, alors ça, il y a une certaine confusion s'ils sont marocains, sénégalais, vietnamiens, enfin, quoi qu'il en soit, ils sont encadrés par des militaires mm-hmm. qui, dès le début, dès la montée de ces gens-là dans des autobus ou des camions, les autobus donc de la région parisienne, sont avertis qu'au moindre mouvement, y compris de baisser une vitre, parce que ça devenait absolument insupportable, ils seraient exécutés. Donc au début, on peut penser que c'est de l'intimidation. Mais en tout cas, ces gens-là vont vivre des conditions absolument inimaginables. Et quand là, ils arrivent à Orléans. Oui. Il y a que les bus sont tenus jusqu'à Orléans, on avait l'air. Alors il y a des bus et des camions. Oui. Là, il y a eu de toute façon des péripéties dans le détail duquel je n'entrerai pas, mais il y a eu beaucoup de péripéties. Oui, on a encore quelques minutes. dans le Loiret, il y a les premières exécutions de prisonniers, qui sont des gens qui n'ont pas la résistance physique pour continuer de marcher. On les abat comme des chiens. Voilà, parce que l'exode ne se fait pas du bout en bout en véhicule, hein, en camion ou en autobus, loin de là. Donc ces gens-là sont abattus absolument sommairement. Et ceux qui esquissent, enfin qui ont des velléités de fuite, ou du moins c'est ce qu'on leur prête comme intention, sont également exécutés. Donc le nombre de ces exécutions n'a pas été établi. Mmh. Exécution sommaire, c'est l'officier qui donne l'ordre et absolument, encore, même pas. Absolument. Okay. Absolument. Alors, ce qu'on sait, c'est que d'après différentes sources, et les historiens s'entendent sur un nombre global d'une vingtaine, de 15 à 20 morts,
dans ces circonstances, ça, à mon avis, ça a dû être largement supérieur. Il y en a qui ont réussi à s'enfuir. Alors, certains ont réussi à fuir. Ce qui m'amène à vous dire que les 1850 prisonniers des deux prisons, au départ, ils sont arrivés à Gurs, au pied des Pyrénées. Oui. Là, on constate qu'il y a 850 manquants à l'appel. Ce qui est quand même considérable, en gros 45%. Alors, une fois arrivés au bout de ce périple, qu'est-ce que ça devient? Alors, tout le monde s'éparpille, ils sont parqués au camp de Gurs. Oui. Et après, certains prisonniers connaissent des destinées diverses parce qu'ils vont changer de camp, etc. Et c'est le cas d'ailleurs de Charles Lesca et d'Alain Lobreau de Je suis partout, oui, qui eux aussi attendent leur libération. Il y a des personnalités connues dans cette troupe. Il y en a notamment donc ces journalistes de Je suis partout qui attendent leur libération jusqu'en août, alors qu'on aurait pu penser qu'ils auraient été libérés beaucoup plus tôt. D'accord. Et les communistes, il y avait des communistes? Alors il y avait de nombreux communistes, et ces communistes ont laissé des témoignages tout de suite après-guerre, et ce sont surtout des personnalités du PCF. Ce sont des témoignages essentiels parce que leur témoignage rejoint celui de gens comme de journalistes de Je suis partout, et ils disent à quel point ces communistes disent à quel point on leur a fait subir des humiliations terribles, parce que, un exemple parmi tant d'autres, ils étaient fouillés comme des droits communs, fouillés nus intégralement, y compris oui, bien sûr. Voilà. Imagine. Ouais. Et donc, je suppose qu'après la guerre, enfin, dans le tourment des événements, tout ça a disparu de la mémoire collective. Ouais. Donc, est-ce que vous dites que le Parti communiste français a rappelé ces événements après la guerre? Ouais. Quelles sont les sources et comment vous êtes parvenu, vous, à les faire revivre? Oui. Et est-ce qu'on a encore beaucoup de sources? Alors, moi, les sources... C'est vraiment un épisode totalement oui, inconnu. C'est quand même, ou tout au moins, méconnu. Hein. Les sources que j'ai exploitées, c'est loin d'être exhaustif, il s'agit donc de ces mémoires, que ce soit des mémoires de gens comme Florimond Bonte, Fernand Grenier, qui va être aussi, je crois, ministre, ou Léon Moussinac, auteur du fameux « Radeau de la Méduse », qui là est un livre vraiment resté dans les mémoires quand même. C'est l'essentiel de ce qu'on peut savoir sur les conditions de détention et surtout sur l'exode pénitentiaire. À cela s'ajoutent quelques échos de presse, parce que l'Humanité a quand même fait écho après-guerre à cet épisode, mais je pense qu'il y a bien d'autres récits de communistes de second rang qui peuvent être exploités. Moi, je parle des plus oui, notoires. Et d'ailleurs, je crois que dans un de ses derniers livres, c'est le romancier Pierre Lemaître qui parle de cet épisode. Oui, absolument. Alors, c'est assez étonnant. Oui, alors Pierre Lemaître a trouvé, c'est très bien, notamment deux sources, Léon Moussinac, Le radeau de la Méduse, oui, et qui est extrêmement complet, puisqu'il retrace l'exode d'étape en étape, il y en a eu beaucoup, et aussi les travaux d'un chercheur nommé Jackie Tronel, oui, qui a un site qui était donc d'accès libre, et cet homme a vraiment mené des recherches très approfondies sur des épisodes extrêmement précis de l'évacuation des prisons. Donc Pierre Lemaître a puisé à bonne source, parce qu'il y en a eu d'autres, mais c'est surtout ces deux sources-là qu'il a exploitées. D'accord. Voilà. Ben, Pierre-Denis Baudriot, merci d'avoir répondu à nos questions sur ce pan d'histoire donc largement méconnu. Et je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver votre article dans le dernier numéro de la Revue d'Histoire Européenne, actuellement en kiosque, numéro dont le dossier principal est consacré au fascisme, sujet que nous aborderons prochainement à l'occasion du 100e anniversaire de la marche sur Rome. Merci encore. Merci. Avant de retrouver la petite histoire de Christopher Lahn, quelques ouvrages à vous conseiller. Une biographie d'Anne de France, parue aux éditions Passé Composé et écrite par Aubrey David Chapy. Agrégée d'histoire et enseignante à l'Université de Paris 4 Sorbonne, Aubrey David Chapy est une spécialiste de l'histoire des femmes. Elle dresse dans cet ouvrage le portrait d'Anne de France, plus connue sous le nom d'Anne de Beaujeu, fille de Louis XI et de Charlotte de Savoie, sœur de Charles VIII, est morte il y a 500 ans.
Cette princesse exceptionnelle, dont l'éclat a brillé à la cour durant plus de 50 ans, aime la gloire, le prestige, le pouvoir et les arts. Elle perçoit la nécessité de se mettre en scène et c'est d'ailleurs à cette époque qu'est instaurée une cour féminine auprès de la reine. Jugée comme un des personnages les plus puissants de son temps, son rôle fut très important. Femme du Moyen Âge, elle se montra réceptive aux idées humanistes et aux innovations en cours de développement qui marquèrent le début de la Renaissance. Intelligente et prudente, elle fut à la fois éducatrice, diplomate et stratège. Plus qu'une biographie, ce livre est un essai sur cette princesse aux multiples facettes et plus généralement sur les femmes en politique dans cette période de transition. Notez qu'Aubrey David Chappy sera l'invité de Philippe Conrad dans une prochaine émission de Passé Présent. Édouard Brémond, l'anti-Laurence d'Arabie. C'est ainsi que Rémy Porte, l'un de nos historiens militaires les plus prolifiques et les plus pointus, a titré la biographie inattendue d'un presque inconnu, Édouard Brémond, grand officier colonial qui joua un rôle important et souvent décisif dans de nombreuses campagnes à Madagascar, en Afrique ou au Proche-Orient. C'est en travaillant sur la mission militaire française du Hedjaz que Rémy Porte a découvert l'ensemble de sa carrière. Contrairement à Laurence d'Arabie, dont la force tient surtout aux livres sterling avec lesquels il peut acheter la fidélité des tribus, mais dont les qualités militaires sont sujettes à caution, Brémond est un officier d'expérience. S'il n'a pas les qualités d'auteur du Britannique, il a vécu la petite guerre, la guérilla, sous différentes formes et contre différents adversaires. Le parcours de ce général français met bien en relief l'ambiguïté du personnel politique qui affiche publiquement des ambitions sans donner à ses représentants les moyens d'y parvenir quand il ne les abandonne pas purement et simplement. Brémond, lorsqu'il fait valoir ses droits à la retraite, totalise, bonification pour services de guerre comprise, 94 années de campagne. Un grand soldat à découvrir au travers de l'histoire coloniale française. Cet ouvrage est édité chez Lem Edite. Si vous êtes intéressé par l'aviation militaire, ce livre est fait pour vous. L'aviation militaire française, véritable bible en la matière. Il fait suite à un gros ouvrage paru chez Lavoiselle en 1980. 40 ans plus tard, une actualisation est apparue plus que nécessaire, tant ces dernières décennies ont connu d'évolutions en matière de doctrine d'emploi, de matériel et de périmètre, puisque le nom même de l'armée de l'air a évolué en septembre 2020 en se voyant adjoindre le terme d'espace, domaine sans nul doute promis à un très grand avenir. Ce très beau livre, grand format, entièrement en couleur sur papier couché, est écrit par les meilleurs spécialistes actuels du sujet, réunis sous la houlette de Jérôme de l'Espinois, lui-même officier référent, histoire de son arme. Clair, précis, l'ouvrage cherche à mettre en valeur son sujet et y parvient. Pour autant, il n'occulte ni les problèmes rencontrés, ni les désaccords, ni les choix techniques parfois douteux. Illustré par une riche iconographie en grande partie inédite, des encadrés explicatifs bienvenus ainsi que des tableaux apportent un plus. Cette nouvelle histoire de l'armée de l'air et de l'espace permet indéniablement de bien appréhender l'évolution de l'aviation militaire depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Préfacé par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, ce livre est disponible chez Pierre de Taillac. Des souvenirs du débarquement. C'est un curieux objet éditorial qui nous est parvenu, un roman photo intitulé « Gaston en Normandie ». L'auteur a composé son ouvrage en mêlant images d'archives et photos actuelles pour restituer la mémoire du débarquement en Normandie en 1944. Il interroge sa grand-mère, Joséphine, habitante de Bayeux à cette époque, puis son père Gaston, alors âgé de 7 ans, sur leurs souvenirs du débarquement. Ces deux personnalités lui livrent des récits touchants à l'épreuve du temps et de la mémoire de leur 6 juin. Micro-histoire familiale, la méthode de Benoît Vidal approche celle de l'historien. L'auteur tâtonne dans ses recherches, exprime ses doutes, recouvre ses sources en confrontant les archives orales aux archives photographiques. Mais il nous livre ici, un résultat brut de décoffrage. Au-delà de l'intérêt historique réduit, on n'apprend rien sur le débarquement. Ce qui retient notre attention, c'est d'une part l'interprétation différente des souvenirs suivant les personnages et surtout, d'autre part, la relation entre mémoire et événement et la nécessité de faire parler les témoins dans nos familles. Vous trouverez ce roman photo historique, Gaston en Normandie, chez FLBLB. Parlons d'espions maintenant, avec un ouvrage paru chez Perrin, Le renseignement français en 100 dates.
Le domaine du renseignement, disons-le clairement, ne fait pas partie de la culture nationale. Trop longtemps, les dirigeants politiques se sont montrés méfiants, voire suspicieux envers lui. Heureusement, ces 25 dernières années, l'intérêt pour ce sujet n'a fait que croître, en témoignent les évolutions des structures, les nouveaux organismes créés, ainsi qu'une augmentation très sensible des effectifs consacrés à la recherche d'informations. C'était nécessaire car dans le monde à la fois complexe et compliqué dans lequel nous vivons, il est crucial de connaître son environnement et de pouvoir anticiper certains événements. Deux spécialistes reconnus, Olivier Brun et Jérôme Poirot, nous donnent dans cet ouvrage des clés de lecture. Au travers de 100 dates essentielles, depuis les succès de César lors de la guerre des Gaules jusqu'en 2019, ils nous font découvrir ce monde souvent opaque avec ses succès et ses échecs. Ce survol appelle bien entendu des recherches plus approfondies. Au-delà d'une lecture toujours passionnante, on souhaite que ce livre détermine des vocations et fasse comprendre au plus grand nombre la nécessité absolue de disposer de services de renseignement performants. Et enfin, pour conclure, deux bandes dessinées. USS Constitution, aux éditions Glénat. L'histoire se déroule en 1804 en Méditerranée. Des marins américains capturés par les pirates barbaresques sont vendus sur les marchés d'esclaves et doivent abjurer la religion chrétienne. Pour protéger sa flotte commerciale, la jeune nation américaine envoie des navires de guerre en Sicile. Sur l'USS Constitution, Pierre-Marie Corbière, jeune frêle blondinet qui sort juste de l'école navale, s'est embarqué pour assouvir une vengeance familiale. L'auteur, Franck Bonnet, tient la barre de cette série, le troisième tome vient de sortir, série basée sur des faits réels qui passionnera les amateurs de récits maritimes. La vie quotidienne à bord est évoquée avec une grande précision. On avait rarement vu vaisseau de guerre aussi fidèlement représenté et la colorisation d'Isabelle Charlie est somptueuse. Nous l'attendions avec impatience. Le dernier volume de Berlin sera notre tombeau et disponible chez Paquet. 30 avril 1945, après le suicide d'Hitler, la capitulation est inévitable. Les survivants de la 33e division Waffen-SS Charlemagne vont tenter une dernière percée pour fuir Berlin. Passionné d'histoire militaire, Michel Koeniger s'est basé sur « Mourir à Berlin » de Jean Mabir. Il montre que ces Français se sont le plus souvent engagés au sein de l'armée allemande par anticommunisme. Son superbe dessin réaliste révèle la fraternité d'armes de ces combattants désespérés, mais qui se battent avec courage et dévouement. Mais Michel Koeniger n'a malheureusement pas pu achever ses derniers tomes. Il est décédé en 2021 et c'est Vincenzo Giordano qui termine avec talent les dernières planches. La colorisation de Fabien Alquier reste particulièrement bien adaptée au récit. Nous retrouvons maintenant la petite histoire de Christopher Lang. Alors, bonjour. Les Noirs, ces représentants de la splendide race africaine qui ont gardé leur pureté raciale grâce à leur manque de goût pour le bain. Qui a dit ça? Un auteur d'extrême droite? Un nazi revendiqué? Bah non, c'est Che Guevara. Eh oui, la vie est pleine de surprises, mes amis. Parce qu'aujourd'hui, Che Guevara, c'est surtout des t-shirts, des posters pour chambres d'adolescents, des slogans pour étudiants en fac de sociaux. Ça, c'est l'image romantique du Che. Mais il commandante, c'est aussi et c'est surtout un fils de bourgeois devenu dictateur sanguinaire, criminel sans pitié et terroriste. C'est bon à savoir. Bon à savoir, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. L'image romantique fantasmée de Che Guevara nous vient de la première période de sa vie, celle de baroudeur idéaliste. Che Guevara, de son vrai nom, Ernesto Guevara de la Sierra, je le fais bien, est né le 14 juin 1928 en Argentine, au sein d'une famille aristocrate. Tiens, tiens, étonnant, un fils de riche qui, tout à coup, développe des idées communistes. Il n'empêche que dans sa jeunesse, il est peu politisé, voire pas du tout. Il fait tout d'abord des études de médecine, il apprend le français, et puis devient médecin sans grande conviction. Déjà, il a un côté baroudeur, vagabond, vous savez, ce petit côté
Jean Lassalle. Et ainsi, très tôt, il pratique l'autostop. Et à 24 ans, malgré son asthme chronique, eh bien, il commence un grand voyage à travers l'Amérique latine en mobylette. Parce que sur la route, il découvre la misère, les pauvres, les Indiens, les indigènes avec lesquels il fraternise. Et il s'identifie aux pauvres et surtout, il identifie l'ennemi états-unien après avoir vu les multinationales américaines exploiter les indigènes. En 1953-54, il entreprend un second voyage et là, tout va basculer parce que jusqu'à présent, il n'est pas encore marqué idéologiquement, politiquement, et là, il va devenir profondément marxiste, profondément révolutionnaire. Ici s'arrête donc la vie du premier Che, le jeune idéaliste romantique, les cheveux au vent, comme BHL. Parce qu'à partir de 1955, le mec commence à péter les plombs, littéralement. Hein. Il commence à signer Che au bas de ses lettres à sa mère. Che, c'est le surnom que lui a donné un réfugié cubain au Guatemala. Il l'a surnommé El Che Argentino. En gros, ça veut dire littéralement « Salut à toi, l'Argentin ». Donc il va garder ce surnom, le surnom de Che. Il va signer dans les lettres à sa mère Che. Et il va parfois signer « Staline 2 ». Staline 2 dans les lettres à sa mère. Là, on n'est pas sur du romantisme, là, on est sur un niveau de beaufrie absolue, quoi. C'est comme si moi, demain, je me mettais à signer mes chroniques Napoléon II. Napoléon II. Bref, en 55, à Mexico, il rencontre Raúl Castro, qui a fui Cuba après une tentative avortée de guérilla. Puis ensuite, il rencontre son frère Fidel. Avec les frères Castro, il se dit « Allez hop, c'est parti ». Il organise, plein de panache, hein, pour le coup il faut le dire, un débarquement à Cuba sur un yacht à moteur. Là on est fin 1956, l'objectif c'est renverser la dictature de Batista. En soi, le débarquement est une catastrophe, seuls 22 hommes sur 82 parviennent à débarquer dans la Sierra Maestra, qui est une zone montagneuse. Mais de cet échec, ils vont faire une victoire, et à partir de là, ils vont initier une guérilla redoutable contre le régime. Entourés de mercenaires, de repris de justice, de trafiquants de drogue et de quelques paysans, ils parviennent à renverser Batista, qui a été lâché par les Américains, et Batista s'enfuit le 1er janvier 1959. Déjà à ce moment-là, avec ses soldats, le Che se montre impitoyable. Il se montre impitoyable avec l'ennemi, ce qui est normal, mais avec ses soldats également. Les lâches sont punis sévèrement, les déserteurs sont exécutés sommairement, souvent de la propre main du Che. Dans une lettre à sa mère à ce moment-là, Che Guevara, qui signe désormais Staline 2 du 92 RPZ, non c'est pas vrai, Che Guevara, dans la lettre à sa mère, il se dit, je cite, « assoiffé de sang ». Et ça va continuer. En 59, donc, le Che, devenu commandante, et les frères Castro ont gagné et ils installent à Cuba le régime nouveau. Alors on va rapidement passer d'une tyrannie, celle de Batista, à une dictature communiste absolument inhumaine. Dès 59, on met en place le parti unique. Les élections sont interdites. Hein. Révolution si, élection non. Hein, c'est ce qu'on a dit au peuple. La parole n'est pas libre, muselée. Les universités et les médias sont purgés. Et on installe même, là c'est orwellien, hein, dans chaque quartier de la Havane, on installe des comités de défense de la révolution pour surveiller les habitants, pour écouter ce qui se dit. Hein, autant vous dire qu'il fallait mieux pas parler mal du Che lors d'un repas de famille à table. Les homosexuels sont envoyés dans des camps et on leur inflige des décharges électriques pour tenter de les normaliser. Hein, bah ça on le dit pas. Les prisons se remplissent de prisonniers politiques. Che Guevara en personne prend la tête des tribunaux révolutionnaires et il va organiser des centaines de procès sommaires sans défense pour les accusés. Ainsi, des centaines d'hommes accusés d'être des contre-révolutionnaires, hein, accusés rapidement, sont fusillés et parfois par le Che lui-même. À un moment, le mec il va tellement loin que Fidel Castro lui-même, hein, Fidel Castro qui est un mégalomane mais qui est quand même un pragmatique, un roublard quoi, il lui demande de lever le pied parce que la communauté internationale commence à froncer les sourcils. Mais le Che, qui est un idéologue pur, hein, il s'indigne et même il réclame plus de pelotons d'exécution. Le mec est parti totalement en roue libre, quoi. Voilà le régime que Che Guevara installe avec les frères Castro à Cuba. Les mecs font
n'importe quoi, ils se sont crus dans Tropico, quoi. Et ils vont continuer de faire n'importe quoi, puisque après cette période où Che Guevara bute à peu près tout le monde, il prend la tête de l'économie cubaine. Ah, et bien voilà, là enfin, il va pouvoir appliquer sa doctrine communiste pour libérer le peuple de la misère. C'est ce qu'il fait, il met en place une planification à la soviétique, qui est un désastre. Il s'occupe tout d'abord du sucre, hein, la production de sucre qui est la principale production de Cuba, qui est vraiment centrale dans l'économie cubaine. Il s'occupe de la production de sucre, il tente de la diversifier. Résultat, la production chute et bientôt, comble de l'ironie, Cuba doit importer du sucre. Ensuite, l'agriculture. On avait promis une redistribution des terres aux paysans, mais bah non, pas de redistribution. On nationalise tout et rapidement, avec la bureaucratie et tout ça, la production chute également. C'est à ce moment-là à peu près que Che Guevara devient gênant pour Castro, puisque non seulement ce qu'il fait ne marche pas, mais Guevara est incapable de la moindre remise en question. C'est simple, hein, quand ça va pas, il pense que c'est parce que ses idées n'ont pas été respectées dans leur pureté. Et puis du coup, il flingue tout le monde. Ah, le fameux mythe du communisme qui n'aurait jamais été véritablement appliqué, sinon on aurait bien vu que c'était formidable. Bah oui, mais partout sur la planète, bien souvent, tout le temps même, eh bien à la fin, il n'y aura plus vraiment personne pour nous dire si c'est formidable ou pas. Guevara est à ce point dans son truc qu'un jour un architecte lui dit qu'il faudrait des ascenseurs et des toilettes dans les immeubles de la Havane. Là, Guevara, il dit non, l'homme nouveau n'en a pas besoin, il peut se sacrifier. Bah, les ascenseurs, à la limite, je peux comprendre, hein, l'homme nouveau, il est athlétique, il peut monter les marches, il peut monter à pied. Mais les toilettes... À la fin, les seuls bénéficiaires de ce système sont la classe d'apparatchik et de profiteurs qui va se créer et qui va jouir du pouvoir et des privilèges. Et le peuple, dans tout ça, eh bien, il est mis de côté et il est dans la misère. Devenu gênant pour Castro, Guevara est écarté et il quitte Cuba avec pour objectif d'exporter la révolution. Et ce sera un échec partout. Hein, en Amérique du Sud, un peu partout en Amérique du Sud, il va organiser et financer des guérillas, hein, ça va pas marcher. Même au Congo, il va tenter au Congo d'organiser une guérilla, ça ne va pas marcher non plus, fail sur toute la ligne, ça marche pas, les paysans ne rejoignent pas son mouvement. C'est à ce moment-là qu'il va théoriser le terrorisme, le justifier et l'encourager dans ses écrits, mais aussi dans ses actes par exemple. Juste un exemple, hein, il va former et entraîner des soldats pour le FLN. Et il va encourager, organiser les opérations qui vont conduire à la mort de Français. Ainsi, on peut dire, sans sourciller, en se basant à la fois sur les faits et sur ses écrits, que Che Guevara, dont s'inspire aujourd'hui beaucoup de mouvements de ce genre, est l'un des pères fondateurs du terrorisme. Heureusement, l'aventure s'arrête le 9 octobre 1967 en Bolivie. À 39 ans, il est capturé puis exécuté dans la foulée par des militaires boliviens. C'est la fin du Che. Les leçons de tout ça, bah aujourd'hui on constate que le premier Che, vous savez, le vagabond idéaliste et romantique, le premier Che a remplacé le second. Pourtant, le premier est devenu le second. Hein, le second est l'aboutissement du premier, on peut absolument pas dissocier les deux. En résumé, on peut le dire, il s'agit bien d'un des pires criminels du XXe siècle qui a tué de sang-froid des dizaines de personnes, en a fait tuer des centaines et a mis en place aux côtés des Castro l'une des pires dictatures communistes du monde et qui a duré longtemps et qui dure encore. Et pourtant, eh bien, voyez-vous-même, reste cette image romantique incarnée par cette célèbre photo. Alors pourquoi ? Eh bien, sans doute parce que, contrairement à Staline ou à d'autres dictateurs ou tyrans, ce qu'on ne peut pas enlever à Guevara, c'est d'avoir toujours agi au nom d'idées. C'est un idéologue pur, hein, un jusqu'au boutiste, qui s'est exposé personnellement et qui a mis la main à la pâte, qui a donné l'exemple, pour des idées. Des idées de merde, on est d'accord. Et puis on est d'accord que ça justifie quand même pas tout ce qu'il a fait, mais c'est comme ça que les choses se passent dans l'esprit de certains qui sont un peu déréglés. Et puis en plus, comme c'est au nom du communisme, donc au nom du bien avec un grand B, j'imagine que c'est pour ça que ça passe aussi. Et puis bon, après tout, il ne fait plus frétiller que quelques gauchistes boutonneux ou incultes. Et Anne Hidalgo, maire de Paris, qui organise et promeut des expos à Paris en rendant hommage au Che aux frais
du contribuable. Et François Hollande, quand il était président, qui lui a rendu hommage lors d'un voyage à Cuba. Ouais. En gros, ces gens, ils ont décidé de retenir que le romantisme, que le premier Che. Mais ça marche pas comme ça, les gars, parce que dans ce cas, j'ai envie de vous dire, Hitler, avant d'être Hitler, eh bien, c'était un peintre romantique, lui aussi. Et puis Hitler, il adorait les animaux, et puis il était végétarien, tiens. Alors à quand Aymeric Caron sur un plateau de télé avec un t-shirt d'Adolf Hitler au nom de la cause animale? Non, ça, on n'a pas le droit. Il y a le mauvais dictateur, celui qui tyrannise et qui tue. Et puis il y a le bon dictateur, celui qui tyrannise, qui tue. Et c'est un bon dictateur.